Hello mes beautés, bienvenue aujourd'hui dans ma vidéo, une toute nouvelle vidéo avec, vous voyez, un nouveau décor. Pourquoi? Parce que je vais vous faire aujourd'hui un haul de mes vêtements que j'ai acheté soldé et bien sûr quelques non soldés, enfin beaucoup de non soldés surtout. Je pense que comme tout le monde, quand vous allez faire vos soldes, ben, vous voyez des petites pépites à côté, vous pouvez pas ne pas les acheter, du coup il y a beaucoup de ça. Mais j'ai trouvé quelques petites pépites en solde, donc trop hâte de vous montrer tout ça. Je vous montre d'ailleurs tout ce que j'ai acheté, c'est tout ici, il y en a une ribambelle. Puis j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Donc là, bon, c'est un peu à part, mais j'ai reçu un petit colis de chaussures que j'ai commandé, donc je me suis dit j'allais vous les montrer. Ensuite, bon, là, c'est deux magasins en un dans ce sac. Là, c'est Zara. Là, vous avez Mango. Ici, Bershka. Et ici, Plain Beer. Bon, il y a des sacs, vous voyez, je n'ai pas parce qu'ils se sont déchirés. Donc, bah, let's go, c'est parti. Du coup, on va commencer par Plain Beer, sachant que j'ai acheté qu'une chose, ce sont des chaussures. Bon, j'avais pas spécialement besoin de bottes, mais franchement, coup de cœur, elles sont juste sublimes. Donc voici les petites bottes. Donc elles se trouvent comme celle-ci. D'ailleurs, elles sont... Non, c'est pas exactement la beige. J'allais dire, sans sortir mon pull, comment elles se trouvent. Comme ça. Comme ça. Le derrière, le devant. Donc elles, je ne les ai pas du tout eues en solde. Pour les prix, je vous les mettrai juste ici. Parce que là, en fait, c'est des prix en francs suisses. Donc il y a une petite différence par rapport à l'euro. Donc c'est ça, je pense que je vous les dise. En francs suisses, ça ne vous intéressera sûrement pas. Donc voilà le prix en euros. Trop canon. Ensuite, nous allons passer à Bershka. Bon, là, j'ai trouvé des petites soldes. Sachant que j'ai pris deux articles. Donc, j'ai pris un pull jaune pastel. Vous voyez, comme ceci, un peu court, oversize. Tout doux. J'aime trop la matière. Et franchement, trop top. En plus, enfin, je vais vous expliquer la petite histoire, mais je cherchais trop un pull jaune, pas forcément jaune flashy parce que j'aime pas trop, mais ouais, un jaune pastel. Et là, quand je l'ai vu en magasin, et en plus je l'ai vu en solde, bon, en francs suisses, vous voyez, il était à 40 francs suisses et il est passé à 9,90 francs suisses. Je vais vous mettre du coup la différence juste ici en euros. Trop canon. Donc, du coup, regardez la portée, comment ça rend. C'est vraiment top. Non, trop beau, trop belle affaire. Ensuite, j'ai acheté, ça fait longtemps que je voulais cette pièce. Je ne trouvais pas des beaux. Enfin, mais un blazer simili-cuir. Ça serait déjà en cuir, mais non, c'est simili. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit les tailles. Pour le pull, petite parenthèse, le pull jaune, j'ai pris taille S. Et pour cette veste, j'ai aussi pris S. Donc voilà, ça se trouve comme celle-ci. Oversize. Enfin, tout ce que j'aime. Trop canon. J'en voulais trop une pièce comme ça, donc je suis contente de l'avoir trouvée. Voilà donc pour mes achats de Bershka. Maintenant, on va passer à Mango aussi. J'ai pris juste un article qui est une magnifique veste. Pour vous expliquer quand même mon shopping, parce que c'est vrai, généralement, quand je vais faire les soldes, je ne trouve pas grand chose. Et encore là, c'est pour dire, j'ai fait les soldes, mais c'était pas vraiment les vrais soldes parce que j'ai pas pris grand chose en solde. Mais en fait, de base, pour vous expliquer ma petite histoire aparté, mais j'étais partie en fait manger un bout avec une copine. Et donc après, on s'est dit, bon, on va se balader. La petite balade qui s'est transformée en shopping, vous connaissez tous. Et du coup, ben, j'ai trouvé cette pépite, j'ai trouvé plein d'autres trucs. J'ai fait tous les magasins et après ça c'est fini. Je pensais pas vraiment trouver tout ça, c'était pas du tout prévu durant ma journée. Mais du coup, trop contente, je suis rentrée, j'étais là, wow, j'ai trouvé des pépites. Alors que ça, c'est rare de trouver autant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très rare. Donc je suis trop contente. J'ai trouvé et justement, bon, ça faisait très longtemps, mais j'étais pas partie pour me trouver une veste ce jour-là. Et j'ai trouvé deux vestes comme je l'ai. Donc je vais vous montrer deux sites. Donc elle vient de chez Mango, comme je vous disais. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que en fait c'est une veste longue. Donc je l'ai pris en taille S. Et donc je vous mettrai le prix. Donc juste ici. Vous allez voir porter du coup. Mais elle est oversize. Elle est trop belle. Franchement, méga longue. Vous voyez. Juste magnifique portée. En fait,
pour vous expliquer aussi la petite histoire, c'est ma copine, en fait j'étais avec elle et tout, et celle qui l'a vue en magasin me dit hey, regarde, tu devrais essayer et tout. Et moi, c'est vrai que je l'ai vue sur le centre, elle me disait rien du tout, mais vraiment. Et je l'ai essayé et franchement, le coup de cœur. Donc elle m'a dit bah t'as bien fait d'essayer et je suis trop contente. Merci à elle d'ailleurs pour la petite veste qu'elle m'a conseillée. Franchement, vraiment trop belle. Trop belle. Ensuite, on continue avec la veste suivante que j'ai pris de chez Zara. Voilà, je vais vous montrer tous les vêtements que j'ai achetés de chez Zara. On va commencer par la veste. Bon, haute couleur, haut tissu, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu un tissu, j'allais pas dire tweed. Vous voyez, attendez, je vais me rapprocher, un peu comme ça. Bon, je m'y connais pas trop au niveau tissu, faudrait je demande à ma sœur qui s'y connaît énormément. Elle faisait des études dans la mode, ou peut-être elle me dira le tissu, parce que j'avoue ça m'intéresse. Mais en tout cas, bon voilà. Je vous ai dit la taille, je crois, tout à l'heure. Donc c'est une taille S, avec le prix juste ici. Bien sûr, en sol. Mais jusqu'à long, quoi. Vous voyez comment elle est? Non, franchement, trop belle. Trop belle. Ensuite, nous allons passer à... Donc ça, c'est vraiment flashy, mais j'avais envie de couleur. Un peu une robe moulante, voyez-vous. Assez sympa, j'avais envie de vraiment de couleur. Elle non plus pas en sol, j'ai pris en taille S au prix de. Voilà. Et puis ça se trouve comme ceci. La matière très très extensible. Ensuite, alors là vous n'êtes pas prêts pour la pépite. Franchement, elle c'est vraiment un coup de cœur. Mais puissance 1000. Juste magnifique. Regardez-moi cette beauté. Le travail du tissu, c'est vraiment une bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup les strass, donc comment vous dire que coup de cœur. J'ai pris en taille M parce que j'ai essayé en taille S. C'était trop petit. Enfin, moi, je voulais un peu plus oversize, vous voyez. Et du coup, voilà. Vraiment, ça, c'est ma pièce coup de cœur de chez Zara. Enfin, avec le manteau aussi, quand même. Et ensuite, le dernier article de chez Zara. Bon, là, c'est un... tailleur, juste magnifique, en vert comme j'aime. Le coup de cœur sublime. Donc il y a la veste, je vais vous montrer le pantalon après. De toute façon, je vais vous mettre là le rendu avec le tailleur. Ouais, je l'ai pris en taille S, du coup pas en seul non plus. Un petit bouton comme ça, trop belle. Donc au prix de, voilà. Comment vous dire que il n'y avait plus ma taille en S. Du coup, j'ai pris en M. Et je le voulais tellement que bah M, je savais que ça allait être un peu trop grand, même beaucoup trop grand, vous allez voir. C'est une catastrophe. Mais en fait, je compte le faire refaire à chez une couturière parce que je le voulais tellement, ça fait tellement longtemps que j'ai un tailleur de cette couleur en plus. Enfin, c'est ma couleur préférée, comme vous le savez toutes. Et voilà quoi, enfin, il est trop canon, il est trois fois trop grand, mais je pouvais pas laisser passer ce trop beau tailleur. Il y avait la veste, mais pas le pantalon. Du coup, j'ai dit bon, mais je vais prendre, et puis au pire, je ferai. Un petit point, enfin même de gros points. Donc voilà tous mes achats de chez Zara. Maintenant, enfin passer, en fait je suis allée dans un peu en centre commercial, c'est un peu comme Galeries Lafayette en Suisse, ça s'appelle Globus. Et en gros ils ont plein de petits stands de marques et je suis allée chez Maje et chez Sandro. Donc j'ai trouvé deux pépites, une chez Maje et une chez Sandro. J'ai trouvé donc chez Maje ce magnifique, je sais pas comment on pourrait dire, mi-pull, mais juste sublime, vous voyez, avec une petite chemise dans les tons beige, c'est juste magnifique portée. Du coup, bah là aussi, c'est en franc suisse. Je vais mettre le prix juste ici, mais elle est canon. Bon, la qualité chez Maje, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une agrée. La matière, tout, enfin, c'est oufissime. Et j'ai trouvé ça hyper original. Là, du coup, c'est un pantalon. Donc, j'avais déjà la veste de tailleur de chez Sandro. Et en fait, j'ai pas vu quand j'ai acheté la veste de chez Sandro, mais en fait, il y avait le pantalon avec. Et du coup, je vais vous mettre avec la veste, comme ça vous allez voir l'ensemble juste ici. Et du coup, j'ai trouvé ce petit pantalon, mais juste trop canon, enfin trop canon. Il est magnifique et en fait, ça fait un super ensemble tailleur. Comme... En fait, en plus, tailleur, un tailleur noir, c'est la pièce à avoir dans son dressing. Enfin voilà, ça me dit, ça servira toujours d'avoir un petit tailleur dans son dressing, sachant que j'en avais pas quand même. Enfin, j'avais des pantalons noirs classe, donc je pouvais faire un petit combo avec ma veste tailleur de chez Sandro qui est noire. Mais je vais pas ensemble. Donc là j'ai le vrai ensemble. Et en plus le pantalon je trouve il est original. Il est pas... Il change. Enfin il change comment il est taillé. Et lui je l'ai pris en 36. Ouais 36 comme la... Comme je crois que je vous ai dit la taille. Comme pour schéma j'ai pris taille 36.
le prix juste ici. Bon, les prix, c'est pas du tout les mêmes que chez Zara, mais c'est, voilà, c'est de la qualité et c'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup. Pour terminer, bon, là, c'est pas des achats que j'ai fait. C'est un colis que j'ai reçu hier, je crois. Mais je me suis dit, je vais vous montrer dans la vidéo, ça sera plutôt sympa. Et puis comme ça, je vous montre les deux paires que j'ai commandées. Alors, voici le carton. Pour vous dire, j'ai même pas déballé, hein. J'ai attendu de tourner la vidéo pour vous. Hein. Donc j'avais trop hâte d'ouvrir mon colis. Mais j'avoue, je me dis, c'est mieux, je suis en direct. Ouais, moi, comme ça, je suis contente. Enfin bref, j'ai attendu un jour en soi. C'est pas énorme, quoi. Comme je disais, j'en ai commandé deux, mais en fait, il n'y en a qu'une dedans. Oh non! Pourtant, je les ai commandées en même temps. D'ailleurs, le petit site, si ça vous intéresse, c'est ce site-là. Je ne le prononce pas parce que je crois que j'arrive pas à le dire. Et donc, c'est les petites Nike. Ça fait hyper longtemps que je les voulais. Et j'ai dit, bah go les prendre. Du coup, c'est celle-ci, toute simple. Basique, mais tellement top pour faire des beaux looks. Et du coup, j'ai commandé en fait la même paire en vert un peu flashy. J'avais envie d'une paire flashy dans le style. Du coup, voilà. Et je l'ai pris, donc moi je fais du 37. Je crois que je l'ai pris en 36,5. Parce que des fois, ouais, certaines chaussures, je fais des 36,5. Donc voilà. Trop contente de mes petits achats. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo pour la première fois. Franchement, j'ai trop kiffé. J'espère que j'ai pu un peu vous inspirer, vous donner des petites idées de look si ça vous dit. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez kiffé cette petite vidéo. Et puis si vous laissez des petits commentaires pour dire quel article vous a plu, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. On se dit à la prochaine, je vous fais plein de bisous, soyez bénis.